Elon Musk, l'ex-compagnon d'Amber Heard, est depuis peu grand frère pour la 5e fois, mais cette naissance surprise a divisé la famille, et ça se comprend. Il est jeune, riche, mais a une famille dont il se passerait bien. Depuis plusieurs mois, Elon Musk, l'ex-petit ami milliardaire d'Amber Heard, a complètement coupé les ponts avec son père. Dans une interview accordée à l'édition américaine de Rolling Stone, il ne cachait pas son dégoût pour son paternel. « C'est un être humain terrible », confiait-il en se laissant submerger par l'émotion. Les larmes coulant le long de ses joues, il poursuivait « Mon père va planifier le mal. ... Presque toutes les choses mauvaises auxquelles vous pouvez penser, il les a faites. C'est si terrible que vous ne pouvez pas l'imaginer. » Et c'est justement l'un de ces actes qui a poussé Elon Musk à ne plus adresser la parole à son père. Comme l'a révélé le Daily Mail le week-end dernier, Errol Musk est devenu papa pour la 6e fois. À 72 ans, il a accueilli un petit Elliot avec son ancienne belle-fille. Retraçons l'arbre généalogique de la famille Musk pour vous aider à comprendre. Errol a d'abord eu 3 enfants avec son amour de jeunesse, May Aldman, 2 garçons, le très célèbre Elon et Kimball ainsi qu'une fille, Tosca. Après leur séparation, Errol a épousé en seconde noces Heidi Marie Musk, une mère de 3 enfants dont le mari s'était tué dans un accident de voiture. Ensemble, ils ont élevé Joe Jr., Yana et Harry avant de fonder une famille à leur tour. Errol et Heidi Marie ont eu ensemble 2 filles, Alexandra et Asha. Et c'est avec Yana, la fille de son ex-femme, qu'Errol a eu un petit garçon. S'il a un temps refusé de reconnaître que cet enfant était le sien, le test ADN a parlé. Au journal Rapport, Errol Musk a expliqué qu'il n'avait eu une relation sexuelle avec son ex-belle-fille qu'une seule fois. C'est arrivé un soir lorsque le petit ami Diana l'a mise à la porte de leur maison et elle est venue dormir chez moi. Vous devez comprendre, je suis célibataire depuis 20 ans et je suis un homme qui commet des erreurs. Mais je ne veux pas parler de lui comme d'une erreur, parce qu'aucun enfant ne veut entendre qu'il en ait une. Si aujourd'hui Errol et Yana ne sont pas en couple, la jeune mère de famille de 30 ans et le petit Elliot vivent sur la propriété d'Errol. Un schéma familial qui rappelle celui de Woody Allen, tombé amoureux de la fille adoptive de Mia Farrow, son épouse de l'époque. Aujourd'hui, ils sont mariés et ont adopté 2 filles, Bechette et Mandy.